Bon après-midi à tous. Nous prierons pour le repos de l'âme de Roland, Annette, Arnaud, Eddy et Sweety Valérie. Linze Viadi. Et pour la grâce obtenue. Messe pour les défuntes, Claire Soupe, Irène Katic, Annie Fanchette. Iris et Michel Tolbiz, Bernadette et William Tolbiz, Noël et Idéa du matin, Lydie, Edwin et Jacques Alexandre, et Cécile, Philippe et Gaëtan Mouret, Gilbert, Bébert, Chilumben. Pascal, Thérèse, Manuel, Serge, Axel et Timothée Canou et Eddy et Tinette. Nous prierons aussi pour la mort de Jacqueline Ilma, Piti Chamoutou, Maman Rosemée et Benoît. Messe pour les âmes du purgatoire, pour le repos de Cyril Greiton, messe de remerciement à Jésus, Saint Joseph, Sainte Vierge Marie, une messe demandée pour Jean-Noël et Élodie Duval. Nous prierons aussi pour les défunts Cyril Rousty, Gabriel et Cécile Vinta, Annabelle et Guy, Edwige et Aline de Josiane. Remerciements à la Vierge Marie pour les grâces obtenues. Messe de remerciements pour l'anniversaire de Jérémy David, qui a 5 ans aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour à tous. Bienvenue à tous sur ce 14e dimanche ordinaire. Aujourd'hui, le Seigneur lui-même invite chacun de nous à témoigner notre foi. Il nous confie cette mission et nous donne la force de l'accomplir. En ce 4e festival des vocations, prions pour et avec nos jeunes qui se posent des questions sur leur vocation, et aussi pour nos 11 séminaristes qui étudient à l'étranger. Et nous, qui l'a azourdi à notre manière, et la côte nous vive, à nous répondre l'appel saisi qui invite nous pour « Vine en moi, trouve ton bonheur ». Peine plus grand l'amour qu'il est à nous donne nous la vie. Pour qu'à moi qui me content pour faire les grandir. Peine plus grand l'amour qu'il est à nous donne nous la vie. Pour qu'à moi qui me content pour faire les grandir. Pour qu'à moi qui me content pour faire li grandir. Kouma mon papa fin content moi, moi aussi me content je. Reste dans sa l'amour là, sa même mot la loi. Mo fin Dieu tout ça là pour qu'ils autres connaissent la joie. Content je pour cinq ou ma moi, morphine content je. Peine plus grand l'amour, qu'il est à nous donne nous la vie.
pour qu'à moi qui me content pour faire lui grandir. Peine à plus grand l'amour qu'il est nous donne nous la vie. Pour qu'à moi qui me content pour faire lui grandir. Pour qu'à moi qui me content pour faire lui grandir. Au nom du Père, de toute tendresse qui nous a créés par amour. Au nom du Fils ressuscité qui prend sur lui notre faiblesse. Au nom de l'Esprit du Dieu vivant, souffle de vie qui renouvelle. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire pour l'éternité. Sainte Trinité, à toi soit la gloire pour l'éternité. Frères et sœurs, bonsoir. Alors nous sommes très heureux de nous rassembler ce soir pour prier. Et comment dire, nous sentons-nous bien parce qu'il nous livre, comment dire, nous avons un déconfinement. Déconfinés, nous sentons-nous capables de respirer. Alors c'est une joie d'être ensemble, de se retrouver. Alors nous sommes capables de souhaiter la bienvenue. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas habité venir à un pays à cause du confinement. Et aujourd'hui, ils sont là. On peut les accueillir. Accueillons-nous ensemble. Bienvenue. Bienvenue. Trinité, ô Sainte Trinité. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire pour l'éternité. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire pour l'éternité. Le Christ est celui qui nous rassemble, c'est lui qui veut notre bonheur, lui qui se fait proche de nous. Et humblement nous reconnaissons devant Dieu que nous sommes pécheurs, que nous sommes faibles, que nous avons besoin de sa main, de sa tendresse, de sa miséricorde. Thank you.
Le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Pour bon Dieu, la paix dans la terre pour tout le monde, parce qu'il est content seul. Gloire là-haut, puis là-haut, dans le ciel pour bon Dieu, la paix dans la terre pour tout le monde, parce qu'il est content seul. Nous louons toi, nous bénis toi, nous adorons toi. Parce qu'il est content seul. Mon âme se pèse, écoute la prière. Va qui assise à droite de papa, pitié pour nous, pitié pour nous. Oh là-haut, puis là-haut, dans les cieux pour bon Dieu. La paix dans la terre pour tout le monde. Parce qu'il est content seul. Prions. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe nous rappelle que Dieu console tous ceux qui souffrent. Il nous aime plus qu'une mère et veut rassembler tous ses enfants dans la paix. Lecture du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous le verrez et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur.
L'apôtre Paul affirme que seule la croix peut nous apporter la miséricorde et la paix. À nous écoute l'île qui s'impose finanvoy ban habitant Galate. Mou ban frère, mou ban sœur, pour de la gloire, li pas dans mon intention, excepté la gloire dans la croix nous Seigneur Jésus-Christ. Pour la croix, les mondes fin crucifié pour moi, et moi me fin crucifié pour les mondes. Qui nous circoncis, qui nous pas circoncis, ça peine aucune importance. Ce qui est important, c'est une nouvelle création. Tout le monde qui mors d'après ce principe-là, la paix et la miséricorde pour les autres, et clôt Israël les peuples bon Dieu. Finalement, faudrait pas que personne vienne fatigue moi, parce que moi, me seriez mort Jésus l'homme l'écho. Me ban frère, me ban sœur, la grâce nous Seigneur Jésus-Christ vienne dans tout l'esprit. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Merci, bon Dieu. Sur toute la terre est proclamée la parole et la bonne nouvelle aux limites du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira, la guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 amen. Aujourd'hui, ce week-end, l'Église propose-nous pour nous méditer sur l'Évangile de Saint-Luc au chapitre 10 qui cause-nous de la moisson. Il cause-nous de la mission.
Et quand Jésus cause nous de la mission, veut dire, il invite nous pour aller à la rencontre des autres. La mission, premièrement, c'est une mission du Christ lui-même, parce qu'il nous recevoir une mission. La première mission de tout baptisé, c'est quand nous baptisons, nous recevons le baptême, et quand le prêtre met l'onction sur le front de l'enfant, de l'adulte, le catéchumène, il dit « Tu participes à la mission du Christ qui est prêtre, prophète et roi. » Nous sommes capables de dire ça ensemble? Prêtre, prophète et roi. Ça veut dire nous participons à cette mission du Christ. Pas une mission en l'air, mais une mission qui est sérieuse. Chacun de nous, chaque baptisé, nous avons une mission. Quelle est la mission que le Seigneur nous donne? La mission que le Seigneur donne nous, mais c'est pour aller vers les autres. Pour aller vers les autres. Et l'Évangile dit à nous comme ça, il envoie des désirs des disciples, 72, et il envoie les autres deux par deux pour aller témoigner de l'amour de Dieu. Il envoie les autres en mission deux par deux. Et quand il envoie les autres en mission deux par deux, il dit comme ça, ça pas point la route bien facile. Les autres pour comment dire, ban agneau au milieu des loups. Ça veut dire, pour y avoir aussi ban persécution, pour y avoir aussi ban difficulté. Mais nous ne devons pas oublier que le Seigneur lui-même lui donne nous la force pour capable vivre sa mission qu'il y invite nous à le faire. La mission de Jésus aujourd'hui, c'est quoi? La première chose, c'est de nous aimer les uns les autres, comme lui-même nous a aimés. Et puis, c'est transmettre cet amour du Christ à travers les uns et les autres, à travers les pauvres. Pourquoi nous tous, nous faisons partie de ces pauvres? Nous pénalisons les pauvres matériels, nous avons les pauvres spirituels, nous avons les pauvres en affection. Toutes sortes de qualités pauvres, il y en a tout autour de nous. Et en tant que chrétiens, le Christ nous appelle à aller vers les autres. Ça veut dire à le soulager la souffrance, à l'aide de Mandimoun qui peine à manger, à la visite de Mandimoun qui tout seul, à l'encourage de Mandimoun qui peut être désespéré. Alors, la mission est abondante. Et c'est pourquoi que Jésus dit à nous, la mission est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Je suis capable de dire ça ensemble. La mission est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Bonnes ouvriers là, d'après eux, qu'est-ce qui était? Jésus que les ouvriers. Et la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Qu'est-ce qu'on a capable de dire? Qu'est-ce que les ouvriers là étaient? Vous êtes tiers, ça? Menti. Vraiment? Vous êtes même ça? Pas attendez. Ah! C'est nous-mêmes. Nous t'appelons la main pour vous mêmes. C'est des ouvriers, ça? Alors, bons ouvriers, là, c'est nous. Bien souvent, nous nous redonnons, nous disons, que des ouvriers, là, été. Alors, chaque baptisé est appelé à être cet ouvrier que Jésus demandait. Parce que dans le sang, dans sa carreau bondier, là, dans carreau Saint-Patrick, il y a beaucoup, beaucoup de travail bien faire. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui attend nous.
Nous avons besoin d'évangéliser. Nous avons besoin de rendre visite. Nous avons besoin de cause la parole de Dieu. L'évangile besoin résonne dans oreilles et dans les cœurs ban fidèles. Nous besoin capable cause Jésus dire qui Jésus nous fait pour moi. Qu'est-ce comment Jésus m'a transformé. C'est extraordinaire sa mission là. Parler de la parole de Dieu, donner une parole d'espérance, donner une parole de vie et pas donner une parole comment dire pour décourager du monde. Mais nous avons besoin d'une parole qui relève. Et c'est ça la mission. Et aujourd'hui, ce week-end, l'Église invite nous pour prier pour la vocation. Demain, dans la paroisse de Sainte-Anne, nous prenons la messe du festival des vocations. Longtemps, nous appelons ça Amento Bloc. Après, nous appelons la marche des vocations. Après là, l'incense devient un festival des jeunes. Qui pour faire? Cette messe-là, c'est pour qui nous prier pour une vocation. Et dans toute une paroisse, nous avons veillé à partir de ce soir que nous pouvons prier pour qui une jeune capable d'entendre l'appel du Seigneur. Écoute ça l'appel et réponde à ça l'appel-là généreusement. Pourquoi nous tous concernés par la vocation dans nous l'Église? Et nous devons prier pour la vocation. Vocation sacerdotale, religieuse, religieuse, et aussi vocation gagne nous, baptisés, laïcs, qui sont capables de montrer le visage du Christ. Alors nous invitons pour prier pour qui. Nous capables de gagner des prêtres, des religieux, des religieuses dans nos diocèses. Et nous devons prier le maître de la moisson. Et ça, nous devons que tout le monde prie. Aujourd'hui, quand nous disons comme ça, peine à vocation, le chagrin, qui s'en a pour célébrer la messe, qui s'en a pour donner un sacrement. Pourquoi c'est un moment pour que chaque famille est capable de vivre l'amour du Christ dans ce lacase avant tout. Parce que ban foyer, c'est ban jardin des vocations. Et nous demandons que ban famille, je te prie en famille. Je te fais ban jeune découvrir l'amour bon Dieu. Mais seulement. Venez pas, comme à dire, nous prier juste pour les autres jeunes. Si vos enfants un jour viennent demander, nous dire maman ou papa, mon vie être prête, mon vie être religieuse, être religieux, qui nous pouvons faire? Et si nous n'avons seuls enfants, nous pouvons décourager. Nous devons encourager. Nous devons prier pour lui. Faites pas nous décourager, nous dire non. Mais nous aide-li dans la prière. Après, libre aussi qui nous priait pour nos propres enfants, non? Nous jeune madame, bédiamant mon père, Il y en a 4 garçons. Il dit à l'église, besoin de nous besoin d'un banzen pour rendre mon père. Mais là, du monde qui est à côté de lui, dit comme ça, qui ça va zen là? Il y a beaucoup de zen, vient de scout, vient enfant de guerre, vient dans l'église, partout, nous bizarre, il y a un autre. Et dans sa camarade là, il dit, mais pour toi ici, là, tu n'as 4 gosses. Non, pour moi, non. Il rôde pour les enfants, son camarade, mais pour lui, il ne peut pas les donner. Mais seulement, il dit, bizarre, après. Il y a 6 autres comme ça, autres, pour les autres camarades, autres rodés, mais ils ont besoin d'un pour les autres aussi, non? Qu'est-ce que je dis? Capable de donner ça, maman là, capable de donner ce garçon, donner ce petit fille. Papa là, capable de donner ce garçon, donner ce petit fille. Et c'est une grande joie. C'est une grande joie, ça. Et c'est pour ça que le thème, « Vine en moi, trouve ton bonheur. »
veut dire quand nous, avec Jésus, nous recevons beaucoup. Et moi, en tant que religieux, je ne veux pas chagrin de donner la vie pour le Seigneur. Parce qu'il a dans, je recevais un grand, grand bonheur. Je recevais un grand, grand la joie. Une la joie extraordinaire. Hier, c'était la procession de la fête de Sainte-Anne. Nous faisons la procession dans tous les quartiers de notre paroisse à Sainte-Anne. Et là, ben laïque qui est là, qui est très dévoué, hein, ben Dimon qui est dans l'église, me salue les autres, aussi ici, beaucoup de personnes qui donnent beaucoup, beaucoup autres les temps en tant que baptisés dans l'église. Et moi, un Dimon dit moi comme ça, si je partis dans un groupe, je participer vivre sans la motive pour moi beaucoup quelque chose. Mais je suis heureux, je suis content pour donner la vie pour le Seigneur parce qu'il me gagne grand, grand, grand la joie. Et là, je me dis ça, même je trouve souvent dans la cour de l'église, souvent je suis content sur l'église. Des fois, même je suis dans la cour de l'église, content, je viens donner un coup de main, je viens aider, faire ici, faire là-bas. Nous tous, pourquoi si nous donnons la parole à tout le monde laïque là? Comment nous comptons nous l'Église? Comment nous comptons nous bon Dieu? Et quand nous donnons la vie pour le Seigneur, mais nous recevons beaucoup. C'est une grande grâce, une grande, grande la joie qui nous est là. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, ben, à nous prier pour nos propres enfants, nous prier pour nos jeunes de nos paroisses, dans le monde entier, que les jeunes soient capables d'être touchés pour pouvoir répondre à cette grande appel que le Seigneur nous fait. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À nous confier le Seigneur une bonne intention de prière. Seigneur, nous te prions pour nos 11 séminaristes et tous ceux qui sont en recherche à Maurice. Éclaire-les dans leur discernement. Exauce notre prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te prions pour notre pays,
qui retrouve une vie normale après 28 mois difficiles, vécus dans le doute et la peur avec les restrictions sanitaires. Protège chacun de nous et exauce notre prière. Écoute nos prières. Seigneur, nous prions toi pour tout bon chrétien qui persécuté à cause de la foi. Fais qu'ils ont continué, annonce tes paroles avec courage et persévérance partout qu'ils ont allé. Exauce-nous la prière. La prière universelle est une dimension aussi communautaire. Parce que quand nous venons, nous prions ensemble. Alors, ce que nous pouvons faire, nous pouvons guetter nos voisins à côté de nous, nous capables à le verrer, et nous demander qui la prière te tient envie de faire pour toi. Chacun est capable de dire ça à son camarade. Quand nous avons fini, nous avons gardé un moment de silence, nous avons prié ensemble avec cette personne. Nous sommes capables de déplacer nous, si nous sommes capables aussi à le vendre du monde qui ne nous pas connaît. Hein? C'est ça la mission. Nous avons cause la mission là. La mission veut dire nous devons bouger. Alors nous sommes capables de prendre ce moment là. Hein? Nous sommes capables de bouger. Hein? Nous demandons à ce monde là qui te tient envie de prier pour toi. Mais Seigneur, vois ce frère, cette sœur qui est à côté de moi. Vois sa prière, ses demandes. Demande-toi, viens, exauce-nous la prière. Viens de nous la guérison du cœur. Le cœur blessé. Peut-être nous avons une difficulté dans nos travail. Nous avons une difficulté dans nos foyers. Peut-être nous avons une maladie. Pas une grande souffrance qui nous sentit nous tout seuls. Et avec l'aide d'un frère ou d'une sœur, nous connaît qu'il y en a l'autre qui prie pour moi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Ce soir, nous sommes en présence de Jésus dans ce pain consacré. Nous rendons grâce à Dieu pour ta présence, parce que tu nous aimes. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et nous savons que tu es notre nourriture et tu viens nous visiter. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Nous savons que tu es un Dieu qui est proche de nous. Oui, Seigneur, viens demeurer en nous. Viens nous fortifier. Viens nous donner ta force et donne-nous ta joie. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Avec foi, avec confiance, chantons la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Nous pouvons tourner vers celui que nous avons prié pour lui dire la paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Festival des vocations. Dans le cadre du Festival des vocations, une messe sera célébrée le dimanche 3 juillet à 10h à Sainte-Anne. Cette messe sera animée par les jeunes de Sainte-Anne et de Saint-Patrick. Messe célébrée par le cardinal Maurice Piat et télévisée. Comme chaque année, les cartes pour récolter des fonds pour les 11 séminaristes en stage sont en circulation. Vous pouvez prendre une carte avec le père Fabien, le sacristain ou au secrétariat de la paroisse. Catéchèse. Baptême des enfants pour le parcours Nathanaël le samedi 16 juillet à 14h30 à l'église. Rencontre. Les femmes de la paroisse se rencontrent le lundi 4 juillet à 18h30 à Laurent-Nélan. Rencontre du noyau de la catéchèse le mardi 5 juillet à 10h. Formation Philippe. Un week-end de formation intitulé « La rencontre de Philippe et l'Eunuque » vous est proposé le samedi 23 juillet de 9h à 18h30 et dimanche 24 juillet de 9h à 17h par un prêtre de Suisse, Père Olivier, inscription au secrétariat de la paroisse. On prend que 80 participants seulement. Autofinancement. Vos enveloppes de l'autofinancement pour l'année 2022-2023 sont disponibles au bas de l'église. Tous ceux et celles qui veulent s'engager trouveront aussi des fiches d'engagement. Si vous ne trouvez pas vos enveloppes, veuillez laisser votre nom pour qu'on les prépare pour vous pour la semaine prochaine. Finances, quête, 15 305. Autofinancement, 2875. En vente, La Vie catholique, Parole de chaque jour, magazine Prions. Nous remercions le frère Jean-Paul et nous vous disons un bon week-end. Voilà, comme le père Fabien donc, nous demande de prendre nos enveloppes donc, après donc, cette célébration. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que le Seigneur, dans son grand amour, nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Voilà, encore une fois, donc aujourd'hui, ce soir, nous aurons la veillée pour les jeunes qui débute à 18h30. Invitez vos jeunes à venir, c'est jusqu'à 21h. Voilà, passez un bon week-end et une bonne semaine.